Je voudrais conclure ce cours en soulignant combien nous vivons une époque philosophique. Nous vivons une époque philosophique parce que les évidences d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Parce que nous ne savons pas si le jour d'après ressemblera au jour d'avant. Nous ne savons pas si le monde dans lequel nous avons vécu, si les repères qui étaient les nôtres seront toujours en vigueur demain. La manière dont le champ politique était organisé, la manière dont les rapports sociaux étaient pensés, la manière dont les institutions fonctionnaient, le rapport à la monnaie, le rapport à l'endettement, le rapport à la nature, tout cela est profondément questionné et remis en question. Et pas simplement durant cette période de confinement extrêmement particulière, mais depuis déjà maintenant plusieurs années et certainement depuis 2008. La crise des subprimes est une des multiples crises auxquelles notre modèle est aujourd'hui confronté. Ces crises, je vais en soulever quatre, mais on pourrait en développer et en indiquer plusieurs. Mais ces quatre crises sont pour moi significatives d'un modèle épuisé, d'un modèle en questionnement, d'un modèle à réinventer. La crise des subprimes, non, de 2008, était fondamentalement une crise de l'endettement. Donc, rapidement, vous savez que cette crise est née du fait que des crédits hypothécaires ont été donnés à des populations dans des situations relativement fragiles sur le plan économique, mais on a voulu stimuler leur accès à la propriété en leur donnant accès à des crédits hypothécaires, du coup, dont le remboursement était douteux. Il y a eu une construction financière autour de ces crédits hypothécaires pour essayer de solidifier les produits. Et je passe les détails, mais in fine, une fois que les premiers ont commencé à faire défaut, ça a entraîné une crise financière et un enjeu de domino cascade. Crise financière qui a ensuite débouché sur une crise des dettes publiques de manière assez significative, donc de l'endettement des États. Et pourquoi est-ce que le fait que cette crise financière ait été une crise de la dette me paraît extrêmement significatif? C'est précisément parce que l'endettement était la rustine de l'organisation socio-économique dans laquelle nous vivions. Nous sommes devenus fondamentalement une société de consommation, je l'ai souligné déjà, une société où le sentiment d'appartenance à la société dépend de notre capacité d'avoir des modes de vie qui sont les modes de vie promus socialement, qui nous donnent l'impression d'avoir accès à ce qui va nous permettre d'avoir une vie bonne à travers un confort matériel. Ça passe par la possession d'un certain nombre de biens matériels, des vêtements jusqu'à la voiture sans doute, de pouvoir partir en vacances, etc. Donc, tant que l'on consomme, on est acteur d'une société, on est partie prenante de la société. Or, qui dit consommation demande un pouvoir d'achat, demande des revenus. Or, ces revenus étaient, ça a été souligné également, de plus en plus répartis de manière inégalitaire entre des personnes qui jouissaient pleinement de la mondialisation, soit parce qu'ils étaient détenteurs d'un capital, soit parce qu'ils étaient des travailleurs hautement qualifiés, et des travailleurs plus faiblement qualifiés, soumis à des salaires plus faibles, voire soumis à la concurrence internationale et incapables de retrouver encore dans nos pays des emplois conformes à leurs qualifications, et dès lors qui restaient bloqués dans une situation de chômage. Mais pour une partie, en tout cas, non négligeable de la population, les revenus du travail étaient insuffisants pour conserver le niveau de consommation véhiculé dans la société et rester partie prenante et donc assurer une cohésion sociale suffisante. Dès lors, ce pouvoir d'achat pour les classes moyennes inférieures a dû être soutenu par l'endettement privé dans certains pays, l'endettement public et notamment le financement d'allocations sociales dans d'autres pays, les deux parfois, l'un et puis l'autre, selon les cas. Mais donc l'endettement était absolument une rustine fondamentale pour permettre d'assurer à une partie non négligeable de la population l'accès aux standards de consommation qui garantissaient donc ce sentiment d'appartenance à la société et la cohésion sociale suffisante. Si c'est par l'endettement, si c'est par
la crise, une crise financière comme celle des subprimes, que le modèle a montré ses signes de fatigue, ce n'est pas par hasard. C'est le signe d'un modèle où notamment le rapport entre travail et capital était sans doute fondamentalement déséquilibré. Alors, aujourd'hui, 10 ans après le déclenchement de cette crise financière, 12 ans pour être plus précis, on fait face à une seconde crise, une crise sanitaire, la crise du coronavirus, qui soulève une autre des limites de notre modèle actuel, limite qui est liée et qui était déjà au cœur de la propagation de la crise financière, c'est son aspect systémique, c'est l'intégration d'un système financier globalisé, mais également des systèmes de production à l'échelle mondiale, d'une ultra-mobilité des personnes, donc avec ce que cela a certainement d'extrêmement positif, mais donc une interconnexion de l'ensemble des sociétés qui rend facile la propagation d'un virus et qui montre en tout cas aussi une fragilité liée à cette dimension systémique où justement il manque, je dirais peut-être, de pare-feu, de coupe-feu en tout cas, qui permettent d'isoler les problèmes et d'éviter qu'ils se répandent à travers l'ensemble de la société. C'est en tout cas une des sources de réflexion à laquelle la crise du coronavirus, après la crise financière, nous invite à réfléchir. Comment faire en sorte que lorsqu'il y a le feu, quelque part, il ne se propage pas dans l'ensemble du système? Comment éviter qu'un déséquilibre local se transforme en problème systémique? Alors, c'est un enjeu fondamental qui invite probablement à penser un système plus complexe, davantage de réseaux, où il y a sans doute toujours une forme d'interconnexion, mais où il y a une diversité de réseaux qui peuvent se substituer l'un à l'autre, où il y a des équilibres locaux qui peuvent se préserver lorsqu'il y a un dysfonctionnement plus en périphérie du système. Il n'y a fondamentalement pas de réponse claire, mais il y a en tout cas une question soulevée par cette interconnexion très forte de nos sociétés actuellement et leur capacité dès lors à éviter les propagations systémiques lors des crises. Dimension systémique que l'on va retrouver certainement dans la troisième crise, la crise peut-être la prochaine qui nous attend, qui est latente depuis très longtemps, qui invite à une profonde remise en question aussi de nos systèmes de société, de la manière dont nous produisons, dont nous consommons. Je pense évidemment à la crise environnementale et la lutte contre le réchauffement climatique, qui est symptomatique de ce projet moderne tel que j'ai pu l'esquisser, notamment dans le cadre du cours de philosophie morale. Un projet où l'homme peut devenir maître et possesseur d'une nature et la transformer jusqu'à permettre une croissance infinie. L'oubli sans doute que l'activité humaine, ce n'est pas que de la génération de flux économiques, comme vous aurez l'occasion de le voir dans vos cours d'économie, mais que c'est aussi de la gestion de stocks de ressources, et notamment de ressources naturelles, que la nature est finie et que dès lors, cela impose aussi de penser à côté d'un facteur de production comme le capital, un facteur de production comme le travail, cet autre facteur de production qui a été peut-être oublié depuis un bon siècle, que sont les ressources naturelles, alors qu'elles étaient présentes chez les économistes classiques, à travers la référence à la terre donc, et aux propriétaires terriens. Et donc, ce réchauffement climatique est l'impensé, j'ai envie de dire, d'un modèle de développement, donc axé sur cette économie du désir, axé sur une société de consommation, où l'intégration et la participation à la société passent donc par une croissance sans cesse de l'accès aux biens de consommation, de la possession matérielle et de la jouissance de biens. Eh bien, il y a un impensé qui est justement ce rapport à la nature, ce rapport aux limites d'un monde qui est confronté à l'inépuisabilité, par contre, de nos désirs. Enfin, la quatrième limite qui
semble peut-être la plus frappante aujourd'hui, notamment quand on voyait l'explosion des chiffres de burn-out et de maladies psychologiques dans nos sociétés, notamment chez ceux qui semblaient les plus favorisés, donc dans les classes socio-économiques les plus favorisées. Eh bien, on voyait exploser aussi un questionnement sur la question du sens de ce que l'on faisait, un sentiment peut-être d'un modèle qui avait fini par confondre la fin et les moyens, et notamment justement comment la production matérielle, la production de richesses, le développement économique ne devait jamais être qu'un moyen en vue de la satisfaction, en vue de la satisfaction de vie, en vue justement d'une réalisation de soi et individuelle, mais aussi collective, en vue d'un bonheur, en vue d'une vie auquel non seulement on peut considérer qu'elle est une vie bonne, mais surtout peut-être une vie sensée. Alors, ces quatre crises auxquelles on peut, je le répète, certainement en ajouter d'autres, que ce soit la crise des identités collectives, que ce soit la crise démocratique, j'en ai esquissé plusieurs d'entre elles à travers ce cours, mais ce sont autant de facettes, autant de manières d'interroger notre société, autant d'invitations à repenser notre société, à repenser notre modèle, peut-être pour que justement le jour d'après ne ressemble pas au jour d'avant, mais nous offre à chacun d'entre nous la conviction qu'il est possible de construire un monde meilleur, un monde plus juste. Vous choisirez les qualificatifs qui auront votre préférence. À travers ce cours, j'espère vous avoir donné quelques grilles de lecture pour vous orienter justement dans ces débats de société qui ne manqueront pas d'animer non seulement vos années d'étudiant, mais probablement une grande partie de votre vie, et votre vie professionnelle, mais aussi l'ensemble de votre existence. Cette société, elle va être en interrogation profonde pendant de longues années, et vous serez amené à en être des acteurs. Et dès lors, si ce cours vous a offert ne fût-ce que quelques outils pour vous aider à jouer ce rôle d'acteur, j'aurai le sentiment qu'il aura pleinement joué son rôle. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance pour vos examens.